refait au printemps prochain. Alors, si la neige en montagne fait des heureux, en plaine, ces fortes précipitations ont des incidences bien moins réjouissantes. Dans les Landes, trois communes ont activé le plan communal de sauvegarde. C'est le cas à Vieux-Boucau, où tout un quartier a les pieds dans l'eau. Patrick Panier, Laurent Montiel. Une grande première en 22 ans de présence dans ce quartier pavillonnaire de Vieux-Boucau pour Patrick Mallet, cerné et envahi par les eaux depuis 48 heures. L'eau a monté, monté, et cette nuit, vers 11 heures, j'ai commencé à surélever machine à laver, frigo, tout ce qui était dans le garage. Et ce matin, nous étions les pieds dans l'eau dans le garage, il y avait 10 cm d'eau dans le garage. Et donc, il a fallu appeler les pompiers de Vieux-Boucau, qui sont venus vers 7h30 et qui ont pompé pendant un peu plus de 2 heures pour mettre le garage hors d'eau. De l'eau teintée de marron, ferrugineuse, qui en fait provient pour l'essentiel du sous-sol après 2 semaines de fortes pluies. C'est de l'eau qui remonte, mais qui remonte la tourbe du sol. Voilà. Donc là aujourd'hui, les nappes phréatiques, elles sont complètement saturées, complètement. Depuis samedi, pompiers, gendarmes, élus et personnels communaux, tout le monde est sur le pont réquisitionné dans le cadre de ce plan communal de sauvegarde, avec de régulières réunions de la cellule de crise afin de recenser les habitants les plus exposés et fragilisés par cette montée des eaux. Une centaine de personnes âgées pour la plupart ont été ainsi visitées ou contactées. Il y a peu d'habitants qui sont inquiétés, simplement 4 ou 5. Dont certaines personnes effectivement attachées à leur maison, ce qu'on peut comprendre, mais qui n'ont plus d'électricité, n'ont plus d'eau chaude, et donc qu'on a prévu de reloger, qu'on a proposé, et certaines ne souhaitent pas, préfèrent rester chez elles. Donc on est vigilant, on va les voir régulièrement. Une vigilance qui ne devrait pas s'estomper à Vieux-Boucau, car les perspectives météo-inondations sont plutôt défavorables.